Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Koh-Lanta. Cette année, les aventuriers vont en découdre à Serre-Chevalier, terre hostile des Alpes. Présentation de notre candidat vedette, Gaël. Petit, Gaël était un élève sage et discipliné, mais il a bien changé depuis. Actuellement mannequin pour Jean-Paul Gaultier, également professeur de PS, il est fan de Britney Spears et défend la cause des éléphants roses. Sportif et grand fan du PSG, il se rend souvent au stade avec tous ses copains. Cette année, c'est sûr, il est prêt pour gagner, il s'est bien reposé et à la tête du vainqueur. C'est l'heure de la première épreuve. Gaël doit se rendre en forêt à plus de 50 mètres d'altitude. Un jeu d'enfant pour lui, ou pas. Dans cette première épreuve, Gaël réussit avec brio le franchissement du Grand Canyon. Bravo à lui. En revanche, dans l'épreuve des sauts, les autres aventuriers se lient contre lui et ne l'ont pas encouragé comme il le mérite. Le salto. Normal. Souvenez-vous, sur le camp, Gaël ne fait absolument rien. Il ne fait que dormir et faire des blagues. Pour être que lui, visiblement. Retour à l'épreuve des sauts. Cette fois-ci, Gaël tente une acrobatie complètement irréelle et se qualifie pour la finale. Bravo à lui. Nous voici à la finale tant attendue. Gaël s'élance sur le parcours équilibré à toute vitesse. Il est en tête à mi-parcours. Et là, le drame. Tombe une première fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Impossible pour lui d'obtenir la victoire finale. Cruelle désillusion pour ce colosse qui a eu 30 ans hier et on lui souhaite un joyeux anniversaire.